Lorsqu'une succession d'images se présente à nos yeux, nous cherchons spontanément à trouver une cohérence, un lien, à connaître le message pour lequel cette succession d'images précises était nécessaire. Vous avez sûrement déjà eu ce sentiment en terminant le visionnage d'un film, que l'on a cherché à vous raconter une histoire, mais que des éléments vous manquent pour reconstituer le tableau au complet. Lorsque j'ai terminé le jeu pour la première fois, j'ai ressenti cette confusion. Je n'étais absolument pas en mesure de dire pourquoi ce personnage que nous incarnons avait évolué dans cet univers pour en arriver à cette conclusion. La volonté de lever le voile sur ces questions sera relative à la sensibilité de joueur de chacun. Pour moi, cela a du sens. Hollow Knight est un de ces récits où l'on a bâillonné le narrateur, arraché certaines pages de son recueil d'histoire et laissé les poussières du temps rendre les lignes restantes quasiment illisibles. C'est donc à nous qu'il incombe la tâche d'interroger les vestiges dispersés dans le monde, de réunir les témoignages du passé et les acteurs du présent, afin de raconter l'ascension et la chute d'un royaume. Nous prononçons votre nom avec regret et fierté. Nos instincts primaires vous avez su dompter. Nos âmes sauvages ont été rachetées. Un monde offert dont nous pouvions seulement rêver. Il y a fort longtemps, un être vint de l'Est, d'un endroit où l'on raconte que le monde s'effondre sous l'effet de son propre poids. La lumière pâle émanant de cet être déchira l'obscurité des galeries, et les civilisations d'insectes qui les façonnaient depuis des temps immémoriaux se détournèrent de leurs tâches pour la contempler. Sa présence semblait tordre l'espace autour de lui, et chaque instant passé à le regarder en succédait à un autre dans un flot ininterrompu. Il portait en lui une nouvelle réalité. Son aura résonnait de l'écho des milliers de vies qu'il avait expérimentées pour en prendre conscience. Les insectes, comme hypnotisés dans leur fascination, s'imprégnèrent peu à peu de cette réalité. Leurs pensées, jusqu'alors impersonnelles, centralisées en un objectif commun, furent fragmentées, réparties en chacun d'entre eux. Le but de leur existence demeura néanmoins inchangé. Ils devraient survivre dans le temps, mais désormais plus dans l'intérêt du groupe, mais pour se démarquer en tant qu'individu. Face à ce bouleversement, les esprits isolés des insectes, inondés par tant d'informations, tentèrent d'assimiler leur nouveau mode de fonctionnement. Pour éviter la rupture, ils apprirent à oublier. L'être pâle érigea un trône physique sur lequel aucun roi spirituel ne pourrait jamais s'asseoir. Un trône à son image, unique et éternel. Voilà qui posa les premières pierres du royaume de Hallownest. Le royaume prospéra. Une cité fut construite en son sein, et les différentes espèces ayant subi l'influence du roi à divers degrés se côtoyèrent, formant une nouvelle société. Au fil des siècles, cette civilisation cosmopolite évolua, passant d'un état quasi primitif à une ère de modernité. Mais un jour, une étrange épidémie se déclencha à l'intérieur des murs de la capitale. Les insectes touchés passaient par des crises de délire, de plus en plus longues et intenses, jusqu'à ce que cet état soit définitif. Parmi eux, certains semblaient devenir sauvages, souvent agressifs, parfois apathiques. D'autres semblaient être somnambules, ne reconnaissant plus rien ni personne autour d'eux et tenant des propos incohérents. L'infection était extrêmement contagieuse, ce qui déclencha un vent de panique dans tout le royaume. Le roi et lui seul furent en mesure d'identifier l'éclat orangé dans le regard des malades. C'était le même que celui que les insectes avaient des siècles auparavant. Alors il sut que le mal était profond,
et que cette plaie mènerait à la fin du royaume. Il demanda à ses meilleurs scientifiques de faire des recherches, de transcender les barrières du réel. Il fallait trouver un remède, une solution, n'importe quoi pourvu qu'Aloneste perdure. Et une solution fut trouvée. Il faudrait réunir toute l'infection à l'intérieur d'un individu, doté d'un esprit assez puissant pour la contenir durablement, puis de l'isoler afin de stopper la propagation. Probablement qu'un tel individu n'existait pas en ce monde, car le fléau était déjà tellement répandu que le roi dut recourir à des énergies obscures afin de créer un réceptacle artificiel susceptible de remplir ces conditions. Et nous savons qu'il est loin d'y être parvenu au premier essai. Un être fut finalement désigné pour servir de vaisseau à la maladie, pour devenir le Hollow Knight. Et le plan fonctionna. Il fut enfermé juste en dessous de la surface, dans le temple de l'œuf noir, et son tombeau fut scellé grâce à trois insectes qui sacrifièrent leur esprit afin d'en verrouiller l'entrée. Lurien, le veilleur, qui du haut de son observatoire ne put que constater l'expansion rapide de la maladie, il se proposa sans hésitation, par dévotion pour son roi, afin de sauver ce qui pouvait encore l'être. Monomone, l'érudite, sans aucun doute l'esprit le plus ingénieux de tout le royaume. Elle est certainement la conceptrice de ce plan, et donc la plus à même d'expertiser le mécanisme. Or, on sait qu'elle était sceptique quant à son efficacité. Mais elle accepta tout de même de faire partie du sceau sans plus tarder, au vu de l'urgence de la situation, et probablement de la pression du roi qui demandait une exécution immédiate du rituel. Elle lui assura que le sceau serait inviolable, mais elle cacha délibérément une faille dans le mécanisme, en espérant qu'un de ses apprentis trouve un jour un moyen de corriger les imperfections. Et enfin, Hera, la bête, reine des habitants du nid profond. Une mère déchirée par le chagrin, voyant toute sa progéniture condamnée. Elle conclut un marché désespéré avec le roi. Elle accepta de renforcer le sceau, pourvu que ne serait-ce qu'un seul de ses enfants survive. Ainsi, les trois rêveurs s'endormirent à jamais. À partir de là, il est difficile de trouver la trace d'un quelconque événement, comme si le monde entier s'était endormi avec eux. Et dans un monde où le phare qui éclairait les esprits depuis si longtemps s'éteint, la nature reprend ses droits, malgré tous les efforts et les sacrifices qui avaient été consentis pour tenter de s'en émanciper. C'est ici que commence votre aventure. Vous n'avez aucun souvenir, aucune volonté. La seule chose que vous ayez à l'esprit, c'est un but, que vous allez accomplir indéniablement. Vos yeux ne devraient jamais s'en détourner. Mais essayez quand même, qui sait. Vous pourriez découvrir des choses surprenantes. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, qui est la première d'une série dans laquelle j'utiliserai les secrets du jeu afin de vous parler de son histoire. Je profite également de cet outro pour remercier toutes les personnes qui ont réagi à mes vidéos précédentes, avec des messages qui font plaisir, c'était vraiment sympa. N'hésitez pas à mettre des commentaires, en général, je réponds à tout le monde. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.